Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors le sujet d'aujourd'hui, on en a très souvent entendu parler, mais pour l'instant Epic Games a rien changé, on verra pour les prochaines saisons si le projet aboutit. Mais en attendant, je vais moi aussi vous proposer un concept que j'ai imaginé concernant les écrans de chargement. Donc oui, il y a déjà eu beaucoup de youtubeurs qui ont fait des vidéos concernant les écrans de chargement sur Fortnite. Mais moi j'ai eu une idée cette nuit et je me suis précipité ce matin de faire une vidéo pour vous la présenter. Alors c'est très simple, je vais vous montrer un exemple que j'ai fait moi-même à l'écran. Donc soyez indulgents, je n'ai pas de logiciel de montage du genre Photoshop ou autre. J'ai fait vraiment avec ce que j'avais. Donc le but de ce chargement serait, au lieu d'avoir une photo d'un skin Fortnite ou autre, simplement de temps en temps avoir nos statistiques Fortnite que l'on pourrait personnaliser. Donc pour personnaliser, j'entends qu'on peut mettre dans les paramètres ce que l'on veut voir dans nos statistiques. Donc dans l'exemple que je vous montre là, j'ai mis que je voulais voir les statistiques solo, duo, squad, mais on pourrait également approfondir et demander par exemple plus des détails sur le mode solo, c'est-à-dire on veut voir le nombre de kills, le nombre d'heures passées, le nombre de... Enfin, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Après, ça peut être plus compliqué de faire ça, mais imaginons que pour les modes du genre le mode Blitz, le mode Disco, pour tous ces modes-là, s'ils mettent également les statistiques, ça pourrait être super cool. Voilà, ce fut une vidéo très courte, mais je voulais vraiment vous parler de ce concept que j'ai imaginé et qui pourrait peut-être arriver la saison prochaine. Si tu valides mon concept, n'hésite pas à mettre un petit like. Aujourd'hui, on tente les 10 likes, alors je sais que c'est très peu, ma foi. Mais en général, on n'atteint pas les 10 likes sur mes vidéos YouTube. Donc là, c'est le moment où il faut atteindre les 10 likes. Je compte sur vous. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et nous, on se dit à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.